Bon, là, évidemment, j'ai une petite question, c'est connaissiez-vous ce jeu? Si vous suivez Gotoz, sans doute, parce qu'il l'a conseillé, et j'ai eu ça dans mes DM. Quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu fasses ce jeu, là, c'est important. Donc, ok, d'accord, c'est parti! Allez, bah écoutez, bonjour tout le monde, du coup, re. Pour les gens qui sont sur le live, nous voici aujourd'hui prêts pour faire une nouvelle session découverte sur The Many Pieces of Mr. Koo, un jeu qui n'a pas de date de sortie, je crois. Une démo assez courte pour une sorte de point and click avec une direction artistique vraiment genre le bonbon pour les animateurs et les animatrices. Très gros potentiel, nous dit-on sur le chat. Attention, ça va être du lourd. Et bah écoutez, on va lancer ça tout de suite. Je vais même passer en plein écran parce qu'a priori, la direction artistique fait que mettre sa tête dessus, c'est du gâchis. Donc c'est parti. Ok. Alors effectivement, côté animation, ça rigole zéro. Waouh ! Ah oui, d'accord ! Waouh ! Trop intéressant ! Alors il me semble que les gens ont trop de talent. si on peut en parler deux secondes là. Donc très la linéa effectivement dans l'âme. Et surtout je commence à halluciner du nombre de jeux qui arrivent à faire ce fameux tour de magie du dessin animé jouable en fait. Là c'est vraiment ça. Trop impressionnant. Mais vraiment trop impressionnant. Mais regardez ça ces animes, regardez ça ce travail. Oh là 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 là, la gestion de l'ombre là elle était parfaite. Enfin pff, ouais non c'est... Beaucoup d'astuces, mais alors le tour de magie est parfait quoi. Et puis ouais, ce genre d'intégration, pareil, ça marche trop bien. Enfin ouais, non, c'est génial. Effectivement, le cadeau pour les animateurs et les animatrices. Waouh, mais tellement d'idées, mais tellement d'idées. Ce jeu arty au possible, et c'est tout ce que j'aime. Ouah, mais le croisement, aïe aïe aïe, le croisement des directions artistiques, et pourtant ça fonctionne, trop bizarre. Alors, je suis assez curieux de savoir, là, évidemment, on est dans le début d'un jeu, donc ça reste un tuto. Vous noterez les petites interactions, d'ailleurs, quand on passe la souris. Mais je suis assez curieux de voir dans quelle mesure ils arrivent à poser des énigmes, parce que là, pour le moment, ça fait très dessin animé interactif, évidemment, mais peu d'interactions possibles, finalement. Donc, à voir ce que ça donnera. Oh là là, ouais, non, c'est... D'accord. Ok, bah du coup il m'a donné directement ma réponse. D'accord. D'accord. Alors c'est très dur de comprendre exactement ce qu'il veut de nous. Je vais regarder si j'ai pas raté un élément. Il y a peut-être ça. Ah d'accord, ça on peut juste le remettre tel qu'il était. Ok. Alors attendez, il faut que je regarde un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Est-ce que quand même on voit le truc qui s'affiche ou pas? Pas trop. Alors, on va le rappeler là. Attendez, je réfléchis. Oh,
Ouais, visuellement, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Bon, vous savez quoi? On est en mode découverte, tout ça. On va pas se prendre la tête. Je vais regarder juste l'indice pour voir comment est-ce qu'il fonctionne aussi sur ce système-là. Alors, il nous dit d'abord 1, 2 et 3. Ah. Du coup, les deux en même temps et après, tu fais le... Ok, alors attends. On va regarder juste... Touk! Ah, c'est pas mal fait. Alors attends, est-ce que je peux faire les deux d'affilée? Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Alors non, il y a vraiment ce bouton que je comprends pas. Ah. Ok. D'accord, donc là on voit un peu mieux les choses. Alors, on va lancer. Ah non, c'est ça. Et là, du coup, hop. Et là, ça se bastonne. C'est particulier, hein. Ah, je peux pas le... Ah. Alors attends, si je veux aller là, je peux pas non plus. Et c'est si je veux aller là aussi, hein. C'est ça, y a pas d'embrouille. Le côté absurde est assez ouf, effectivement. Alors par contre, je trouve ça assez violent comme pic de difficulté sur la première énigme. Vous avez trouvé ça con, mais c'est quand même, par rapport à l'autre qu'on avait fait avec les enfants, là, c'est quand même moins évident de saisir exactement ce qu'on nous demande. Je réfléchis. Donc là, toujours pas. Je suis désolé, mais je pense vraiment que c'est la solution, je sais pas pourquoi. Ah, mais voilà, c'était ça. C'est juste que je l'ai mal foutu. D'accord. Et là, on attrape le bâton. Ok. Alors en effet, c'était extrêmement court, mais par contre très intéressant. Allez-vous me trouver dur si je vous dis que tout me plaît de ouf, vraiment le visuel, l'univers, la façon dont c'est géré, le côté loufoque, l'humour et tout, tout, tout est là. Par contre, je sais pas si c'était exactement le début du jeu qu'on vient de faire là, mais c'est vrai que je trouve qu'en termes de level design, c'est compliqué d'avoir trouvé la solution et de l'avoir raté deux fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là, parce que si c'est ça le début du jeu. Imaginez ce qui se passe quand le jeu considère qu'on a compris les règles et que maintenant on va vraiment réfléchir quoi. Et du coup, il y a un peu voilà, le syndrome Papetoura, comme dit Saikyu. C'est le côté où c'est extrêmement beau et tout, donc c'est très très appétant comme jeu. T'as très envie de te plonger dedans. Et en même temps, j'espère vraiment que ce qu'on a vu là n'était pas exactement le reflet de la difficulté de la suite, parce que sur la première énigme, on a déjà un peu galéré. Après, bon, je suis pas non plus un pro du point and click, j'entends que c'est peut-être moi qui suis pas logique. Mais le fait d'avoir trouvé la solution et d'avoir dû la refaire trois fois en me disant non, mais attends, c'est que j'ai mal dû le faire. C'est un truc qui me fait toujours un peu douter. Je dis pas que c'est un vrai indicateur, attention, mais c'est intérieurement un truc qui, quand j'essaie une démo, me fait... Tiens, pourquoi? Donc voilà. Bon, bah c'était rapide, mais c'était The Many Pieces of Mr. Q, et j'espère que ça vous a intéressé.
un jeu d'aventure du coup qu'il faudra suivre dès l'instant où il sera disponible, parce que oui, effectivement, on y reviendra pour la version complète, pour confirmer tout ça et voir un petit peu si le jeu est à la hauteur de ce qu'il nous propose d'un point de vue artistique, c'est-à-dire quelque chose de très alléchant. Ça a l'air vraiment très très beau et très intéressant là-dessus. Je file, bonne fin de journée à vous, pour le live ne quittez pas, je continue pour la VOD, je vous dis à très vite pour de prochaines découvertes sur la chaîne. Bye!